Bonjour tout le monde. Dans ce cours, on va en effet introduire un petit peu les cours de grammaire arabe. Donc, ça vient suite à une demande d'une personne, en effet, qui a demandé, j'aimerais bien voir des cours de grammaire d'arabe. Donc, c'est pour cette raison qu'on va en effet introduire ces cours de grammaire. Donc, le premier cours dont on veut parler maintenant, c'est tout simplement les pronoms personnels. Donc les pronoms, ne lisez pas ça pour l'instant, les pronoms personnels sont un petit peu exotiques en arabe, mais il y en a des ressemblances bien sûr avec la langue française. Donc on distingue en langue arabe les pronoms personnels isolés, par exemple, et d'autres types de pronoms personnels qu'on va voir après. Alors, les pronoms personnels isolés, je ne vais pas vous dire la traduction exacte de cela, mais le pronom personnel, tout ça, pronom personnel, s'appelle en arabe, donc ça, c'est pluriel, donc les pronoms personnels, c'est ad-damaer, a-ad-da, donc ad Ma et ro. Donc j'espère que vous avez déjà vu l'alphabet arabe, les cours qu'on a déjà proposés sur l'alphabet. Donc ici on a Ad-Dama'ir, isolé. Donc vous voyez ce mot isolé, c'est-à-dire que ce type de Dama'ir, il est isolé, il n'est pas lié. Donc, Ad-Dama'ir, Al-Munfasila. Al-Munfasila. Donc, c'est comme ça qu'on le dit en arabe. Al-Munfasila. Donc, sachez que, quand même, ce Al-Munfasila, c'est pas la traduction de ce isolé exactement. C'est pas la traduction exacte. Mais le Munfasila, c'est comme si vous avez, par exemple, quelque chose qui est comme ça, et je prends cette partie, et bon, je l'isole de ça, donc afsiluha ala de cette partie-là, et j'obtiens ça. Bon, vous pouvez dire que c'est une traduction, mais c'est pas vraiment là, exact, parce que isolé en arabe c'est mazoul, naziluhu. Bon, on peut dire que mazoul c'est aussi munfasil comme un synonyme en arabe. Donc, ça entre guillemets. Alors, on dit idha admara shay'u akhfa. Donc, ça entre parenthèses aussi. Bon, c'est juste une introduction pour ça. Donc, je vais commencer par un petit exemple pour voir l'intérêt des pronoms personnels. Alors, on va commencer par exemple par une certaine personne qui aime par exemple un jus de fruits. Ok, donc par exemple, cette personne, elle s'appelle, son nom, c'est Mehdi. Donc ça c'est un nom propre. Il s'appelle Mehdi en toute simplicité. Bon, vous vous dites Mehdi comme ça. Vous l'écrivez comme ça et vous notez Mehdi, ok? Mais en arabe on dit Mehdi, ok? Donc je vais effacer ça. Donc on va dire Mehdi, ok? Donc Mehdi, il va parler de lui-même. Quand il va parler de lui-même, lui, il aime le jus de fruits. Même en français. Est-ce que Mehdi va dire Mehdi aime le jus par exemple? Non, il ne va pas dire ça, mais
puisqu'il parle de lui-même, eh bien, il va dire j'aime le jus. Donc, on a caché Menji pour le remplacer par J. C'est pour cette raison qu'au début, j'ai dit Ida admara shay, Ida admara shay a akhfahu. Donc, admara, ça vient de Damir. Et Damir, en quelque sorte, il cache, on avait les choses. Donc, on va voir ça, la traduction. Mehdi, Mehdi, il veut dire. Mehdi, il veut parler de lui-même, il veut dire j'aime le jus de fruits. Il ne veut pas dire Mehdi. Mehdi, yuhibbu al-asir. Il ne va pas dire Mehdi, yuhibbu. Désolé, yuhibbu al-asir. Parce que lui, il parle de lui-même. C'est comme si je vous disais, par exemple, de moi-même, eh bien, Mohamed, yuhibbu, par exemple, al-maus. Par exemple, yuhibbu al-maus, c'est les bananes. OK? Donc, si je veux parler de moi-même, je dois dire j'aime les bananes, par exemple. Je ne vais pas dire Muhammad yuhibbu al-mawza. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé d'introduire, en effet, ce qu'on appelle ad-damir, c'est-à-dire on va cacher le nom, on va cacher ce nom de Mahdi et on va le remplacer par un damir qui est tout simplement ana. Donc, Mahdi ne va pas dire Mehdi yuhibbu al-asir parce qu'il parle de lui-même et il ne parle pas d'une autre personne qui s'appelle Mehdi. Donc il va dire plutôt Ana o hibbu al-asir. Donc il va dire Ana uhibbu al-asir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a en quelque sorte caché Mehdi. Donc, ana exprime en utilisant ce ana. Donc, ce ana, en effet, elle sert à quoi? Elle sert à exprimer un nom caché. Ce nom caché, c'est tout simplement Mehdi, qui est celui-là. Donc, il est caché. Donc, ce ana, elle sert à cacher le nom Mehdi. Donc, on va dire, elle exprime un nom caché qui est Mehdi. Voilà. Donc après, on va voir un petit exemple où on va introduire un autre pronom personnel, c'est-à-dire un autre damir. Donc, ad-damaer, damaer, plutôt damaer, c'est le pluriel de damirun.